Good morning, Alaïdan, les sujets aujourd'hui, les Vénéchois, Traester, Bat Myriam, Moshe, Ben Eliyahu, Vanish, ainsi que l'Irfat Olivier, Israël, Shemon, Ben Traester, Hamishat Myriam, Bat Rosalena, Miamin, Ben Chmira, Victor, Shachol, Israël, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude du Vénéchois, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Héroïne, Perek Aleph, Mishnah, Zain. Bakol, Osin, Lechayain. Afilo, Bedavar, Sheshbor, Wachayim, Rabbi Yossi, Oser. Umetame, Mishum, Golel, Rabbi Meir, Metaher. On débute la Mishnah avec le sujet de l'Echayim, du tasseau qu'on met sur le côté, à l'entrée du Mavoï, pour pouvoir distinguer l'allée de la voie publique. C'est-à-dire, je rappelle très rapidement, désolé, je répète tous les jours comme ça, ça rentre bien dans la tête, on s'y habitue, c'est une notion nouvelle pour certains. Donc, pour le moment, dans ce premier chapitre, on s'intéresse à pouvoir permettre de porter dans une petite allée, une impasse qui rattache la voie publique au cours privé. Maintenant, cette impasse-là, elle a déjà trois murs naturels. En théorie, c'est déjà un domaine privé, on a le droit de porter. Selon Khamim, on dit, ça va pas, vous allez déborder, vous allez faire plein d'erreurs, c'est même plus compliqué que ça, mais pour le moment, vous allez au moins déborder. Du coup, je te demande de fermer l'entrée. Mais fermer l'entrée, tu peux mettre soit une poutre, soit un petit tasseau sur le côté. On avait appris dans la Mishnah précédente, le tasseau sur le côté, il suffit qu'il ait une taille de 10 tfachim, même s'il n'a pas de largeur et pas d'épaisseur, ça suffit, on remarque que c'est plus une entrée classique, on a un rappel, ok? Notre Mishnah maintenant commence en me disant, « Bakol osin l'chayin, avec tout tu peux faire un l'chayin. » Ça ne va pas chercher forcément un bout de bois, tu peux prendre bien évidemment plein de choses, je ne sais pas moi, un manche à balai, tu peux prendre un bout de chaise, tu peux prendre ce que tu veux, mais même mieux que ça, regardez. Même avec quelque chose qui est vivant. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que vous allez prendre maintenant un petit animal, un petit chien, vous allez l'attacher, mais il doit rester attaché et ne plus bouger. D'accord? Donc vous l'attachez là-bas sur place. S'il a une hauteur de 10 tfachim, eh bien, on peut faire un lechi avec ça, selon le premier avis. Mais, attention, Rabbi Yossi Oser. Rabbi Yossi interdit de le faire. Il y en a qui discutent, qui pensent que c'est Rabbi Meir, en fait. Comme ça va être la suite de la Mishnah, vous comprendrez pourquoi. En tout cas, il y a un avis qui me dit, non, il y a un problème technique là. Tu vas mettre un chien, donc tu es content, il fait 10 tfachim, il a une hauteur de 10 tfachim. Le problème, c'est qu'il va peut-être mourir le chien, surtout s'il reste attaché pendant une journée, 24 heures, et qu'il fait bien chaud. Alors, il risque de peut-être mourir, tu vas pas faire attention, et puis, quand il va mourir, il va s'abaisser un petit peu, ça fesser, et du coup, il va plus faire une hauteur de 10 tfachim, et là, ça va plus. D'accord? C'est pour ça qu'il interdit. On continue le sujet, du coup. On s'est intéressé maintenant à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec des animaux avec des utilisations assez originales, telles que l'attacher et leur faire un lechi. Du coup, on va parler de deux sujets encore. Le premier, c'est au metame mishum golel, et il rend impur à cause d'une pierre tombale. Le gars, il aimait tellement son chien qu'ils ont décidé de lui faire sa pierre tombale avec son chien. D'accord? Ils l'ont fixé là-bas, c'était sa pierre tombale, et ça véhicule une impureté de pierre tombale. On va expliquer dans 30 secondes, mais Verabi Meir Metaer et Rabbi Meir défend. Et on explique tout d'abord une anakha très importante. La pierre tombale, elle a un statut, elle véhicule une touma autant que le mort. C'est le partenariat porte. Le chol asher igal pene asade, il y a un pasouk qui me dit là-bas, dans Chukat, un pasouk qui inclut que autant que le mort véhicule une impureté pure très forte, d'accord, il y a même aussi le golel. Le golel, ça veut dire la pierre tombale du mort. Même si on va changer de pierre tombale. C'est fréquent, des fois, on change de pierre tombale, je l'ai vu quand on va au cimetière. Il y a là-bas des pierres tombales qu'on a supprimées. Ça véhicule une impureté très violente. D'accord? Parce qu'une fois, ça a été la pierre tombale. C'est un statut spécial. Du coup, maintenant, on revient sur notre Mishnah, et on s'intéresse à savoir, c'est un animal, de manière générale, ne véhicule jamais d'impureté. Un animal, tant qu'il est vivant, il ne véhicule pas d'impureté. Un homme, il peut être impur. Un homme, un juif, il peut être impur. Un goy, il n'a pas d'impureté selon la Torah. Il n'a d'impureté que Minera Banane, ils ont fait une takana spéciale. Mais un être vivant, en théorie, il n'y a que le juif, spécialement, qui a cette possibilité. Parce qu'il peut être très pur et très kadosh. Il peut aussi devenir impur. C'est le principe. Moussari. Mais pour le moment, on s'intéresse sur notre Mishnah. Un animal ne véhicule jamais d'impureté tant qu'il est vivant. Même ce que vous voulez, les Shmoné Shratim, même tous les Shratim. Un lézard, tant qu'il est vivant, il n'y a pas d'impureté. À une exception. L'unique exception. C'est l'animal qu'on a transformé en pierre tombale selon cet avis. D'accord? Maintenant, il va véhiculer une impureté de mort. Pas parce que lui-même. D'accord? Et sur ça, on a Rabbi Meir Meter. On a Rabbi Meir qui le rend pur, qui dit non, on ne peut pas faire une pierre tombale avec un animal. En réalité, Rabbi Meir pense que de manière générale,
on peut faire aucune mechitsa. Tout ce que je t'ai demandé de faire, une barrière, un mur, une pierre, ou d'accord, quelque chose qui doit être fixe, ça ne marche pas avec quelque chose qui a un ruach haïm, avec quelque chose qui est vivant. Ça ne peut pas être une mechitsa. Donc, de là, vous déduisez que selon Rabbi Meir, on ne peut pas faire non plus un mechitsa avec un animal. C'est pour ça qu'on a le voilot. Ce que je rapporte, que dans le début de la Mishnah, c'était pas Rabbi Yossi, mais c'était peut-être Rabbi Meir. Il y a comme ça des avis qui expliquent. D'accord, selon Rabbi Meir, on ne fait pas une mechitsa. Ça touche même à... Il y a la même marloquette qui se retrouve dans ma Sechat Tsuka aussi, dans la Gemara, pas dans la Mishnah. On a envie de faire, on n'a pas maintenant, on est bloqué, imaginez, ça peut, on peut se rendre dans une situation pareille. Il a envie de maintenant, il lui manque un mur pour la souka, il va prendre un animal, il va le fixer. Est-ce que ça marche de mettre sa vache pour faire le quatrième, imaginez d'accord, qu'il ferme tout le bas, d'accord, il la couche, elle a une hauteur de Zitfarim, il veut faire comme ça un mur avec. Eh ben ça marche pas selon Rabbi Meir. On ne peut pas y mériter ça avec quelque chose qui est un roi Chaim. Pas de peur qu'elle va mourir, parce que intrinsèquement, on ne peut pas faire, ça marche pas. D'accord? Ça, c'est le deuxième sujet avec les. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un animal? Maintenant, dernière utilisation. Des kodvin alav getenachin. On peut même aussi écrire un get à une femme. Elle s'est conduite comme une chienne, il a décidé de la divorcer comment? Il a acheté un beau chien blanc, il a écrit un get dessus, je te divorce. Areat megorejet, mimeni. Et il a écrit ça, il lui dit, allez, tiens, voilà ton get. Espèce de chienne. Et il lui donne le get en chien. Et bien, selon le premier avis de la Mishnah, ça marche. On peut divorcer une femme en lui donnant un chien, en lui donnant un animal. Et sur ça, Rabbi Yossi Aglili possède. Rabbi Yossi Aglili, attention, c'est pas le même Rabbi Yossi qui est de la Mishnah. C'est Rabbi Yossi Aglili, c'est un deuxième, c'est un autre Tana. Il invalide, il déduit ça d'un pasouk qu'on n'écrit pas un get. La Torah a insisté sur le mot sefer, le katavla sefer, le katavla sefer kritout. Il faut spécialement un sefer, quelque chose qui n'a pas de ruach chaim, quelque chose qui n'est pas vivant. Ok? Et c'est pas précisé, mais la est comme Tanakama, j'imagine. Bon, si ça vous intéresse, elle partenera, il rallonge encore sur un sujet important. Et donc, imaginez dans une autre situation. Il a écrit un guet sur la corne d'un taureau. D'accord? Alors, la Gemara explique. S'il lui donne toute la vache, tout le taureau, c'est bon, il peut la divorcer. Mais s'il lui donne juste la corne, et il lui donne, en symbole, il lui donne tout le taureau, ça marche pas parce qu'il faut encore couper la corne. C'est le partenaire qui rapporte ça. Bon, enfin, ça rentre dans les rôles de Gittin par rapport à l'indine de Netina spécialement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, c'est là.